That's amazing. Hey Montreal, Alex Melky reporting live for MTL Blog. I am near and at Place Vertu. Why? Because something very cool and special is finally back. I'm talking about Poutinefest. This is Noémie, she's gonna be my guide today. Salut, hi. Bon, en fait, le Poutinefest, c'est un festival de poutine. Donc on offre 20 combinaisons de poutine différentes, donc 20 choix de poutine que les gens peuvent choisir à travers 5 food trucks différents. So they have 5 of these trucks set up here. And it kind of feels a little, I'm getting a festival vibe, right? Yeah. It's like a mini Oceaga, only all about the food. Ici, on a le food truck des desserts. On a des churros. Donc, pour ceux qui ont la dent sucrée, c'est excellent avec du chocolat, du caramel, du sirop d'érable. Donc, c'est parfait. Ici, on a le Greg's Diner, qui est vraiment un classique du Poutinefest. Il vient à chaque année. La poutine populaire du Greg's Diner, c'est vraiment la poutine double cheeseburger. Ouh. Tous les ingrédients d'un cheeseburger en plus. Des patates et du fromage et une poutine. Ici, on a le Mama Caliente, qui est un nouveau participant de cette année, qui offre des poutines un petit peu plus épicées. Donc, on a une poutine piri-piri, on a une poulet jerk, qui va vraiment chercher l'intérêt des gens, puis ceux qui sont un petit peu plus... qui aiment un peu plus tester les choses qui sont fortes. Le Smoking Dragon, qui fait des poutines asiatiques. Donc, on a une poutine générale Tao, on a une poutine Tofu Tao, on a une poutine régulière aussi offerte ici pour les vegans. On a aussi une poutine poulet popcorn, si je me souviens bien, pour les enfants. Les enfants trippent poulet popcorn. Ici, on a le Smoking Barbecue, super populaire comme food truck si vous aimez la cuisine texane. On a une poutine porc effiloché, une poutine smoked meat, puis on a une poutine aussi aux côtes levées, donc aux ribs. Beauty! Après, le dernier food truck qui participe au festival cette année, c'est Cantine chez Henri, qui offre une poutine régulière, toute garnie. Yep. Ah oui, la poutine originale Henri. Donc, pour ceux qui aiment... Vraiment l'original. Ouais, l'original. The history of poutine, if you want the OG. All right, I'm gonna dive in. I was born ready. Listen, I've been eating poutine for far too long. I've got to dive into this one first because it looks so beautiful. Yeah. That's amazing. And I'm just gonna tell you my thoughts on pulled pork real quick. I feel like so much of the time pulled pork ends up dry. Why? Not only is this not dry, but the glaze of the, I guess, barbecue sauce on it is so sweet, but just the right amount of sweet. All right, let's see what this is gonna taste. Cause we gotta do this. Amazing. Amazing. They're not just a poutine with random ingredients tossed on to make it look like General Tso chicken or like pulled pork. This is legit pulled pork put on top of a legit poutine. So again, you got the table spread out. They're calling them terraces. You have this the red section. You got the blue section over there. I'm seeing the orange and yellow over there. And just like a nice wide shot of this entire space. So check it out. Place Vertu. And this goes all the way until? Dimanche, le 11. Sunday. All right? Check it out. Enjoy your weekend. Alex Melky signing off. I'll see you guys on the next one.